Salut, salut, bonsoir, bonsoir, c'est Congo News. Nous sommes encore aujourd'hui pour vous présenter cette émission sur la République démocratique du Congo. Comme d'habitude, avant de commencer, nous disons merci à Dieu et nous disons merci à nos abonnés et téléspectateurs qui nous suivent à cet instant. Aujourd'hui, on va parler de la réunion du président avec le représentant de la MONUSCO, l'ONU à Goma, et on va parler de l'arrivée du président de la République à Bénin. Bandeko, le loto kosola, réunion à président Oyo, à souverain représentant de l'ONU à Goma, ndebomoni na photo wana, pe arrivé à président, ndenga kumaki na Bénin, ndenga tchilibine pe na photo. Alors, na poya liboso. Le président de la République a eu une discussion très constructive qui va aider d'aller en avant avec la sécurisation et la stabilisation des régions qui sont toujours touchées par des conflits. Il a rencontré David Grisly, le représentant des Nations Unies en RDC. Le chef de l'État a tenu une réunion en sécurité à Goma avec le représentant de la ONU pour les problèmes des ADF, des menaces à l'est de la République démocratique du Congo. Bandeko, présence au Lakina représentant de la ONU, parce que Bango Bazakuna, il y a déjà ce bon à ma disposition, mais Bango Onipe, il faut Bazala Badjo à ma disposition, parce que tout le monde a Bango Bazawana, mais ma campagne qui toque au Salamate, il y a un présent Yemoko à Koma Kikuna, pe Aïebi Sibandeko, Nindo Mobazo Sola, on a David Grisly, représentant de l'ONU, pour bâtir sa situation, on a passé au Ezana Est. Et puis après wana président akendaki na Bénin de bomona kiti na avion et puis face que la maboko ne pour la problème ya Ebola au monde ba ya mbiona bato ya santé pour fou président ba chekeye asukula pe maboko ndinga zo koma kuna pas Ebola ezapeku allo bandeko tozo so la problème oyo parce que président de la République aza vraiment commis tout ça bana. Donc, Ndenga promet à Kibango qu'il fasse la kuna à résoudre le problème. Et puis, il y a un bateau à l'ONU. Donc, il y a vraiment que c'est tracassé pour la pays. Alors, question de Kibango, pourquoi Kabila Salaki Bouiti? Pourquoi Kabila n'avait pas fait ça? Aller là-bas et faire ce que tu es en train de faire. Armé mon makasi pour situation pourquoi Kabila quoi aussi sa problème on a dit yango expression oui le bakande kono azaka ndeko na yo mawa président Félix Azoyo que la bataille Bénin na Butembo à l'est du pays et andenge moté na Kabila donc Kabila zaine na mawana bande kona bisuti bazo boma bango depuis longtemps. Mais Kabila doit être tant qu'il est de présent de ce qu'il y a eu. Il y a un déconno à Zaka en déconno. Il y a un bien-aimé toujours la Moussabino na émission Oyo. Et te beau soutenir présent Félix, c'est Mawaya Zanango na RDC. Kabila Tiroza na Mawana. Il y a un tout ça clair, tout ça pour expliquer Bino. Et te présent à Zakuna, à l'ingassi sa situation, n'y a pas passé à Est. Yango, il faut soutenir le président Félix Tshisekedi. Alors, nous sommes venus vous informer que le président Duba Mesine nécessaire na représentant ya ONU de monde na photo wana pena ndenge a komi na Bénin de monde a quitté na vie. Alors, à vous de commenter. Au revoir, à la prochaine.